Et salut les gens, c'est Maxime, ça aurait plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission que j'ai décidé d'intituler Nostalgie Animée. Ce qui, vous allez me dire, est très dur à prononcer et va sûrement me faire cuter et recommencer mille fois les intros, vous avez raison. Et de plus, j'ajouterai que ce nom est sûrement déjà pris, et si c'est le cas, et si c'est vous, ou si vous connaissez une chaîne qui se nomme comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les coms, je changerai évidemment le nom, c'est juste que bon, c'est... Je vous avoue que le brainstorming a duré 2 secondes et demie pour trouver ce nom, et donc bon, on va voir comment ça se passe. Mais de quoi va-t-on parler ? En quoi consiste cette émission ? Eh bien, c'est très simple, les amis. À l'heure où Twitter se bat tous les dimanches aux alentours de 18h30 après chaque épisode de SNK, à l'heure où on cherche après coup à savoir qui étaient les Hokage, si tu vois ce que je veux dire, des shonen, Bleach, Naruto, One Piece, voilà, tout ça, on va sortir de ce débat complètement, sortir de l'actualité, donc sortir finalement aussi du but premier de ma chaîne, qui était de commenter finalement l'actualité et les épisodes qui sortaient dans la semaine. On va se concentrer finalement, on va faire un retour vers le passé, et je vais vous proposer finalement de me prendre la main, oh comme c'est si joliment dit, et d'aller découvrir un peu, ou de redécouvrir les animés du passé, puisque bon, l'objectif est à la fois finalement de vous raconter un peu, eh bien, comment j'ai découvert tel ou tel animé, qu'est-ce que j'en avais pensé à l'époque, et pourquoi pas peut-être du coup partager ensemble, ben finalement, comment on a découvert à l'époque cet animé plus ou moins ancien. Je ne vous garantis pas qu'à chaque fois ça sera un animé des années 90, la preuve en est aujourd'hui, mais, oui on m'avait coupé les amis, donc je disais, mais on va essayer au minimum de décaler de quelques années pour que bon, je fasse pas l'ancien alors que je parle, je sais pas, de la saison 3 des SAO, ça n'aurait aucun sens. Et donc aujourd'hui, donc avant cela, comment cela va s'articuler, c'est très simple. Dans une première partie, je vais vous raconter un peu du coup mon expérience. Voilà, mon expérience à moi, comment j'ai découvert l'animé, qu'est-ce que j'en avais pensé à l'époque. Puis par la suite, je vais donner mon avis maintenant, puisque oui, j'ai dépoussiéré cet animé. Et donc, ceux qui ne connaissent pas l'animé dont on parle, dans le nostalgie animé du coup, peuvent rester quand même, puisqu'ils vont avoir mon avis également sans spoil sur l'animé. Et ça va peut-être être l'occasion, finalement, une nouvelle personne qui découvre le monde de la Japanimation au travers, je ne sais pas, de Netflix et compagnie. Soit dit en passant, il n'y a pas de mauvaise façon de découvrir les animés, ni comment dire, de bons moments, voilà, il n'y a pas de question d'ancienneté, voilà, si vous venez découvrir cette année alors que vous avez plus de la vingtaine en regardant Netflix, eh bien, tant mieux pour vous, bienvenue parmi nous, évidemment. Et donc, tout simplement, eh bien, peut-être vous donner envie de voir l'animé dont on va parler aujourd'hui, qui se nomme, tel le Grand Prix de Formule 1 au Japon, Suzuka. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de vous raconter dans un premier temps comment j'ai découvert cet animé à l'époque, puis au moment où je vais vous raconter pourquoi j'ai décidé de regarder cet animé, donc vous dire la synopsis à ce moment-là, puis dans un second temps, encore une fois, je vais vous dire, après l'avoir dépoussiéré, si c'est toujours bien aujourd'hui et si ça vaut le coup d'être vu, les amis. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. Donc allez, prenez prenez ma main, on est parti. Je vous place le décor, les amis. Nous sommes à la fin de mes années collège. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'écoutent pas mes anecdotes quand je fais mes vidéos habituelles, j'ai aujourd'hui 25 ans. Donc nous remontons quand même assez loin dans le temps, finalement. Nous sommes, je ne sais pas, fin des années 2000. Bientôt 2010. On se situe à ce moment-là. Je viens de commettre le péché originel. C'est-à-dire, et quel est-il ? Je viens de regarder Love Ina et Ichigo 100% à la suite. Donc voilà, qui est un peu le... Love Ina, en tout cas, qui est un peu le début, enfin le précurseur même totalement, de ce qui va donner par la suite la vague aux alentours des fins des années 2000, justement, début des années 2010, voire même qui continue maintenant, des Ecchi Harem. C'est-à-dire que c'est le précurseur, c'est celui qui a un peu engrangé un peu tout ce mouvement. Et donc, mais remettons-nous à l'époque, il y avait beaucoup moins d'animés harem Ecchi
au moment où je regarde, donc au moment où je m'apprête, sans le savoir, à découvrir Suzuka, du coup. Je sors donc de ces deux animés de type romance ecchi. Bon, je viens de découvrir du coup la culture, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je cherche forcément, puisqu'à l'époque j'avais bien aimé ces deux animés, à des échelons divers. Ça donnera lieu, je pense, chacun à un nostalgie animé différent. Surtout, bah, Lovina. Enfin, en vrai, je ne sais pas lequel des deux je regarde en premier. Donc, mais je considère finalement Lovina comme étant mon vrai premier. Et Ichigo 100%, à cause de sa fin, finalement, je le mets en second. Ça se trouve, j'ai vu Ichigo 100% avant. Mais à cause de la fin de l'animé et surtout de la fin du manga, on essaie de dire non, mais celui-là, il n'a pas tellement d'importance. Alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est lui et pas Lovina. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais plus. Et donc oui, donc je sors de ces deux animés. J'en ai vu, je crois, un troisième qui s'appelait Green, je crois, un truc comme ça, ou Green Day, enfin bon, un truc ecchi aussi à l'époque. Les plus anciens sauront de quoi je parle. Et je me décide du coup à chercher un animé de type roman. C'est comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas à ce moment-là toute cette ribambelle d'animés de type ecchi, de type harem, ou voilà, où t'as envie de pécho ta sœur, ou je ne sais trop quoi. Ça, les gars, vous y êtes habitués. Mais finalement, ce genre de maladie était incrusté dans les animés de base, tu vois, avant. Mais il y avait ce genre, il était beaucoup moins. Avant la fin des années 2000, il était beaucoup moins fort que maintenant. Et du coup, je tombe sur quelques animés, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait évidemment pas Netflix, il n'y avait pas Wakanim, il n'y avait rien. Wakanim est arrivé un petit peu après, je sais plus quelle est la date, enfin peut-être même un peu plus encore après, mais en tout cas je sais que c'est le premier qui est venu un peu, enfin pour moi, le premier qui est devenu mainstream et que j'ai dit, oh bah tiens ça existe, c'était Wakanim, je m'en souviens. Mais donc bon, à l'époque il fallait chercher du coup quel animé tu pouvais trouver et trouver du coup une fan trad qui s'était occupée du coup de l'animé. Et c'est ce qui se passe, du coup je tombe, je cherche un animé de romance et je tombe sur Suzuka. Suzuka qui a la particularité du coup d'être un animé romance et de sport. Et c'est là que, où je me suis dit, mais attends, dans mon jeune esprit qui n'avait vu que 2-3 animés, je me suis dit, attends, Lovina avec du sport, mais c'est stylé, mais let's go. Mais moi, parce qu'il faut bien se rendre compte que j'étais adolescent à l'époque, évidemment. Donc on voulait des nichons, on voulait des boobs, on voulait du harem, on voulait rêver, les gars, à l'époque. À l'époque, on était jeunes et fous, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, maintenant, il est évident que bon, on regarde que des trucs philosophiques, évidemment. Donc je me dis tout simplement un mélange de ce que pour moi étaient tous les. Enfin, pour moi, Lovina, c'était l'exemple de la romance, tu vois. Donc avec le côté ecchi et tout, ce qui par la suite s'est avéré que bon, c'était un genre à part entière et que je me suis bien fait bait. Donc je décide de me lancer dans Suzuka. Donc de quoi ça parle, Suzuka? Que découvre le jeune Maxian, du coup? Sur son ordinateur, l'ordinateur finalement commun de la famille, qui se trouve d'ailleurs au salon avec une co, bah, n'importe quoi, une vieille ADSL AOL, tu vois, toi-même tu sais. Donc du coup, tu essayais de cacher, tu fermais l'onglet quand tes parents ils arrivaient et que tu regardais Lovina, t'étais en mode non, mais c'est pas ce que tu crois, au fil, tu coupais, tu vois, t'avais, voilà, c'était la belle époque, quoi, c'était la belle époque. Et du coup, de quoi ça parle Suzuka? Déjà, Suzuka, il faut savoir que c'est un animé. Tiré, enfin déjà, oui, tiré d'un manga. Un manga qui a commencé sa parution en 2004. Et qui, je vous ai retrouvé les fiches, les gars, ne vous inquiétez pas. Et dont le créateur est tout simplement, et où est-il ce bon vieux créateur? Enfin, ce mangaka, c'est Seo Kuji. Qui a fait bien, bien, maintes et maintes œuvres, d'ailleurs, par la suite. Hein, je pense que son nom vous dit forcément quelque chose. Il a fait pas mal de séries, on va peut-être pas y revenir parce qu'on va, je pense qu'on va y revenir plus tard, notamment avec Fuka, tout ça. Enfin bon, on va en reparler dans d'autres émissions. Et du coup, ça a été publié de 2004 à 2007 et l'adaptation animée est sortie en 2005. Elle est sortie en 2005. Donc du coup, elle avait déjà quelques années quand je l'ai vue, puisque bon, je l'ai vue, je crois milieu fin des années juste avant 2010, donc peut-être 2007, 2008, 2009, je ne sais plus exactement. Et de quoi ça nous parle? Et eh ben, ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Yamato, qui a fait tout son collège un peu dans la campagne, si tu vois ce que je veux dire. Mais il rêve de changement, il a envie d'évoluer. Il a envie d'évoluer. Il lui est rien arrivé de grave, au mec. Il a juste envie d'évoluer. Il se dit, bon, si je reste dans ma campagne, je ne deviendrai jamais meilleur, je ne deviendrai peut-être pas pire, mais je n'évoluerai pas dans le bon sens dans tous les cas.
Donc, même si bon, certains diraient que des fois ne pas évoluer, c'est bien, tu vois, quand t'es bien, oui, mais bon, c'est pas la mentalité de ce personnage qui décide du coup d'aller à Tokyo et de faire ses études, enfin, du coup, de passer son lycée, de faire son lycée à Tokyo en allant chez sa tante qui tout simplement tient des bains d'eau, enfin, des bains publics, tu vois, une espèce de, bah, comme tout japonais, tu vois, toi-même t'as vu dans les animés. Des bains, ils disent des bains d'eau chaude publique pour femmes, voilà, donc que pour les femmes en plus, voilà, donc ça te met un peu déjà, ça te met un peu le background. Et du coup, il arrive et il passe devant son école, tout simplement, et il voit au loin, dans la cour, une jeune fille faire du saut en hauteur et sauter, et paf, il tombe totalement amoureux, premier coup de foudre directement sur cette fille. Là, tu vas me dire, Maxiane, what the fuck, mais on va pas se mentir que les femmes, généralement, quand elles font du sport, c'est pas là où elles sont plus sexy. Oui, mais bon, si on a parlé d'Ichigo 100% avant, mon gars, je te jure, quand on va parler d'Ichigo 100%, le mec, c'est la même chose, sauf que le coup de foudre, il est juste sur une culotte avec des fraises. Donc bon, voilà, c'est. Ou des cerises, je sais plus, je sais plus ce que Ichigo, je crois que ça veut dire fraises ou cerises, je sais plus. Enfin, voilà, sur un fruit rouge, si tu vois ce que je veux dire. Donc bon, voilà, au moins il tombe amoureux d'une femme, enfin d'une fille du coup à ce moment-là, et pas du tout d'une culotte. C'est déjà mieux, voilà. Et puis bon, c'était à l'époque, on est en 2005, les mœurs sont pas tout à fait les mêmes, on y reviendra quand je vais dépoussiérer l'œuvre. Et du coup, il se retrouve qu'en plus, c'est sa voisine tout simplement. En plus, cette fille, c'est sa voisine, donc scénario classique, mais bon. On est en 2005, les amis, on est en 2005. Vous l'avez vu 15 000 fois déjà ce scénario, mais oui, mais c'est les prémices, entre guillemets. Enfin, peut-être pas les prémices, je suis sûr que ce scénario existait déjà bien avant. Mais à l'époque, c'était pas si. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui découvrait en plus, c'était pas si déconnant, je suis pas en mode oh non, encore ça, tu vois. C'est en voyant ce genre d'œuvre que par la suite, je me suis dit oh, encore ça, encore ce scénario. Et du coup, je vais tousser, les amis, parce que j'en peux plus. Alors qu'il y a un bruit de fond chez moi, c'est horrible. Mais donc bon, s'ensuit du coup mon visionnage, mon visionnement, je ne sais plus comment on dit, de cet animé, que j'ai trouvé ma foi fort sympathique dans les genres. Donc le genre de l'animé, c'est comédie, drame et romance, thème sport, et c'est vraiment le cœur central de l'animé. C'est-à-dire que, effectivement, la comédie, franchement, on pouvait la laisser de côté, il n'y en a pas tant que ça. C'est de la romance pure et dure, ce qui m'avait surpris à l'époque, moi qui sortais de Love Hina. Il n'y avait pas vraiment de ecchi, il y avait un côté dramatique effectivement qui était très prononcé, qui est toujours d'ailleurs prononcé dans cette œuvre, et surtout la thématique du sport, qui au vu des premiers épisodes, je me suis dit, oh, je me suis fait bait, c'est juste sur fond de sport parce qu'elle fait du saut en longueur, et finalement non, puisque bon, on va découvrir, le jeune homme va se découvrir un talent pour une discipline en particulier que je ne vous spoile pas. Mais donc, ça va donner lieu comment dire, à une espèce d'ambiance très spéciale où tu vas avoir des épisodes concentrés vraiment sur la romance et sur le côté school life, si tu veux, ou pas, school life, slice of life, tout ça, donc, où les différents personnages, parce qu'il va y avoir une ribambelle de personnages autour du MC, non pas le rappeur, mais donc le main character, mais qui ne s'appelle pas Yuno. Du coup, là, je fais une vanne que je faisais il y a 2 ans sur la chaîne, c'est terrible. Et du coup, je me suis en plus perdu. Oui, donc à l'école, tout simplement. Mais également, on va avoir droit à des épisodes où ça va parler un peu sport. Bon, dans une thématique, un peu, je veux pas vous spoiler, mais un peu pour je le fais pour ci, je le fais pour ça, je le fais pour impressionner. Enfin bon, c'est des choses comme ça, mais voilà, et c'est un peu tout ça. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup plu. J'avais trouvé ça, je vais dire passionnant, mais pas dans ce sens-là. Tu vois, t'es pas en train de lire le Da Vinci Code non plus. Tu vois, enfin bon, je dis ça, je l'ai jamais lu le Da Vinci Code, voilà, t'es pas dans un gros polar bien stylé. Tu vois, non, non, c'est pas comme ça. Mais t'as envie de savoir la suite, et c'est vraiment très intéressant. En plus, il y a plein de rebondissements. Et les personnages sont pas mal écrits, pas mal écrits. On va en reparler très très vite. Je propose même, est-ce qu'on en parle tout de suite? Est-ce qu'on passe tout de suite à la suite? Non, on va plutôt encore un petit peu parler de ce que j'en avais pensé. Mais oui, j'avais trouvé ça très intéressant, le côté drame, le côté un peu mélodramatique, hein, vraiment des. Même si on s'y attend, même si déjà à l'époque je m'y attendais, hein, étant jeune.
à tout ce qui allait se passer. J'ai trouvé ça plutôt intéressant et franchement, ça m'avait fait du bien. C'était un animé que je me disais à l'époque, je me dis bon, je vais pas recommander ça à mes potes qui regardaient aussi les 2-3 glandus du fond qui regardaient les animés à l'époque. Je me suis dit, on va peut-être pas leur conseiller ça, tu vois, ça va pas faire mal viril, tu vois, quand eux ils me proposent des. ils commençaient à me proposer des ecchi du coup, qui commençaient à voir le jour. Mais bon, on va se. On gardait ça pour soi, on disait bon, c'est une belle perle, c'est une belle perle, j'ai kiffé l'histoire. Et voilà, et ça s'arrêtait là à l'époque. Maintenant, les amis, ce que vous attendez tous, c'est qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Qu'est-ce que. Et là, on va retomber un peu sur un radio-animé classique, mon émission habituelle. Qu'est-ce que j'en ai pensé maintenant que j'ai dépoussiéré et que j'ai vu quelques épisodes? Eh bien, franchement, premièrement, je trouve l'animation, parce que c'est un animé qui date de 2005, je trouve l'animation pas dégueulasse, pas dégueulasse. Franchement, on voit que c'est un vieil animé, c'est évident. C'est pas au niveau évidemment des premières saisons de SNK, d'actuellement de Mushoku Tensei, si j'ai pas de conneries, c'est bien ça le nom, ni même d'autres animés. Je sais plus les noms, enfin bon, plein d'animés super bien faits. Donc pas Black Clover du coup. Ça j'ai perdu. Non, non, mais non, Black Clover, j'ai vraiment juste quelque chose contre les combats, je l'ai déjà dit suffisamment de fois. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, puisqu'on est dans un nostalgie animé, voilà. Donc j'ai trouvé l'animation plutôt bien faite pour l'époque et cohérente. J'ai trouvé enfin, les personnages pas totalement. Enfin, si, j'ai trouvé que les personnages féminins étaient vraiment minces de chez mince. On voit que l'image à l'époque, c'était. Voilà. C'était vraiment. Fallait être hyper mince. Ça se voit, j'ai trouvé les personnages, tous les personnages féminins vraiment. Tu disais, mais mangez quelque chose. On va se faire un McDo, quelque chose. Là, c'est pas possible. Vous allez mourir, madame. Vous ne faites pas du saut hanteur. Quoique, bon, elle fait du saut hanteur. Bon, les. Celles qu'on voit aux Jeux Olympiques ne sont pas forcément très très grosses non plus. Mais bon, c'était vraiment, c'est vraiment abusé, notamment au niveau des hanches, tout ça. Bon, on sent vraiment qu'à l'époque, c'était pas tout à fait la même histoire. Mais bon, l'animation se tient encore, elle est encore regardable, même si bon, bah, le format n'est pas le même, donc à l'époque n'était pas le même. Du coup, bah, il y a des bandes noires sur le côté, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est quasiment impossible de télécharger du coup cet animé. Il faut aller sur des sites un peu obscurs pour tomber sur une VostFR qui tient la route. D'ailleurs, j'embrasse du coup ceux qui avaient fait le projet de fin de trad à l'époque. D'ailleurs, le studio d'animation, c'est le studio Comet. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je m'intéressais pas à l'époque. Je ne sais pas s'ils existent encore. J'en ai pas entendu parler récemment, mais bon, peut-être qu'ils ont ils sont renommés, peut-être qu'ils. Je sais pas. Dites-le-moi dans les coms si vous savez. Du coup, ça, c'est un premier point important. Au niveau de l'opening, c'est un opening de l'époque, évidemment, donc avec, comment dire, avec une chanson plus ou moins douce, avec une voix féminine qui chante sur l'amour, tout ça, ce qui colle parfaitement à l'animé. Mais bon. Ça spoil pas, ça c'est intéressant, c'est un opening qui ne spoil pas, c'est incroyable, ça ne spoil pas grand chose, donc ça c'est tout à son crédit, et du coup on va pouvoir rentrer un peu dans le cœur de l'œuvre. Alors Suzuka, après, parce que bon, j'ai pas totalement tout vu, donc je ne saurais pas vous redonner mon avis sur la fin, je sais qu'elle m'avait convaincu à l'époque, je n'ai pas encore, je compte arriver au bout. Mais bon, de toute façon, il y a le manga et tout, enfin bon, après si la fin de l'animé convient pas. Et pour moi, elle m'avait totalement satisfait. Donc, je fais confiance à mon Maxian de l'époque. Mais donc, bon. Mais ce qu'on remarque, c'est que oui. Par contre, c'est. On va en venir tout de suite. Il y a quelques trucs. Notamment, ben, je l'ai dit, le côté des femmes avec les hanches vraiment très, très. Très, 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 très minces. Mais également, bon, on sent que c'est une autre époque. Par exemple, dans un épisode. Et je commence par les détails, je sais, je suis un gros connard. Mais. Il y a le meilleur ami du pote qui est censé être ben, un peu un tombeur, mais un gars vraiment respectable, le mec le plus respectable du monde. C'est pas un voyou du tout, le gars, c'est pas un voyou. À aucun moment il est présenté comme ça, il est censé être le nice guy, celui qui comprend tout. Il comprend quand son pote est dans le besoin, quand le personnage principal, du coup, est dans le besoin, quand il a besoin d'aide. Il comprend tout de suite les relations qu'il a avec les autres, comment l'aider. Et bien, à un moment, tout simplement, t'as une image, t'as un plan où il mange le meilleur ami, il mange un sandwich. Et il fait tomber l'emballage. Enfin, même pas, il ne monte même pas en train de le faire tomber. Du coup, tu pourrais dire même, il le jette. Tu sais pas s'il le jette ou s'il tombe. Et comment dire, du coup, la réalisation du truc, c'est on voit l'emballage tomber, rester par terre pendant longtemps, et du coup, un truc un peu mélancolique, le vent qui le fait s'envoler.
Ça ne pourrait pas arriver aujourd'hui. Déjà, moi, ça m'a sorti de mes gonds. Je me suis dit, mais ramasse l'emballage, saloperie. Et en plus, on est au Japon. Au Japon, vous savez que c'est très très propre. On est vraiment, c'est très très soigné dans la rue, tout ça. Donc, tu sens bien que tu es dans une autre époque. S'ils veulent faire un truc poétique en mode l'emballage, il s'envole comme ça. Un emballage, vraiment, un emballage de sandwich, tu vois. C'est que vraiment, tu dis, ah oui, je suis quand même dans une autre époque. Et on retrouve, non, on va le retrouver aussi dans les relations. Puisque bon, il y a quand même un peu ce côté macho qui est un peu plus présent, mais encore, c'est pas choquant. Mais, par contre, ce qui en vient, c'est qu'à l'époque, j'ai l'impression que, certes, Suzuka, du coup, celle qui fait du son hanteur, et celle qui est un peu si, c'est le personnage principal féminin du cast, c'est une tsundere totale. C'est une tsundere totale. Voilà, elle est toujours à dire baka tous les 2 secondes, enfin pas tous les 2 secondes, non, mais à s'énerver contre ce personnage principal qui, voilà, qui est très sympa avec elle, alors que elle vient aussi de débarquer, elle vient de Yamaha, si je dis pas de conneries, je peux dire des conneries, mais il me semble qu'elle vient de là. Voilà, c'est une tsundere, tout au fur et à mesure de l'animé, tout au long de l'animé, pardon, elle va rester une tsundere, elle va refouler ce qu'elle pourrait refouler, d'éventuels sentiments, qu'ils soient amicaux, ou plus, ou tout ce qu'elle va ressentir, elle va faire totalement l'inverse. Elle va être chiante, elle va. Mais, ce n'est pas un personnage féminin qui est une tsundere qui dit baka pour dire baka, où tu te dis, non, mais elle, clairement, c'est bon, on a vu ton jeu, ton tsundere, ça a 5 minutes. Non! Elle fait ça parce qu'elle a des raisons que je ne vais pas vous exposer ici. Mais ça fait plaisir de voir un personnage féminin qui a ses raisons. Qui, bon, même si du coup on est en 2005, donc il y a le côté, un peu. On est dans un shonen, hein, si je dis pas de conneries, on est dans un shonen. Donc voilà, cet exemple, faut pas croire, il faut pas se faire des idées. Mais par exemple, imaginez, il y a des voyous qui le. Il y a des voyous qui pourraient l'agresser. C'est un exemple fictif que je vous donne. Ça n'existe même pas. C'est même pas une scène qui existe en plus dans l'animé. Et les voyous qui l'agressent, le héros principal viendrait pour la sauver. Même si bon, ça, on va en reparler. Mais bon, Yamato, c'est pas trop son truc au début. Voilà, voilà. Ici, viendrait la sauver. Elle serait du genre à dire, oh, presque à tomber amoureuse parce que c'est le chevalier servant qui la sauve. Ou à se dire, ouah, le mec, il est fort en sport. Ouah, c'est trop stylé. Il est trop costaud et tout. Il y a un peu ce délire-là quand même, vite fait. Mais bon, c'est pas non plus hyper gros. Mais tu sens que ça aussi, bon. On sent que dans une autre époque, même si bon, c'est toujours d'actualité finalement aujourd'hui dans les animés, mais c'est quand même un tout petit peu plus marqué, j'ai l'impression, dans cet animé. Mais bon, revenons à notre sujet, du coup, Suzuka, elle, c'est une tsundere, mais voilà, il y a quelque chose derrière. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va nous expliquer pourquoi elle l'est. Mais elle va pas nous l'expliquer en 5 minutes. Voilà, son histoire, elle tient pas en 5 minutes, son histoire. Enfin bon. Finalement, ouais, elle tient quand même pas non plus le manga, du coup, dure 26 épisodes. Bon, t'as un peu compris les tenants et les aboutissants, très vite, plus vite que ce que l'animé te le montre. Mais ça prend son temps et au moins tu comprends. Même si elle t'énerve, tu te dis, bon, au moins, même si c'est pas logique, comme c'est fait à partir d'un background et des sentiments qu'elle ressent, eh bien, tu te dis, ok, c'est peut-être pas logique pour toi. Mais comme les sentiments, c'est pas logique. Au moins, le personnage est humain, tu vois. Au moins, il est humanisé, tu vois. Au moins, c'est même si elle t'énerve, tu dis bon, elle a ses raisons, elle a ses raisons que la raison ignore peut-être, mais elle a ses raisons. Et à côté de ça, tu as du coup le personnage principal. Je vais pas m'attarder sur tous les persos secondaires. Des bisous à tous les persos secondaires qui nous écoutent. Êtes-vous un perso secondaire? Dites-le-moi dans les coms. Mais bon, on va pas trop s'attarder. Je vous laisserai découvrir ça ou pas. Mais Yamato, lui, de son côté, c'est bon. C'est lui, par contre, c'est le personnage classique de l'époque qui finalement, bah, ça a pas trop évolué. Quoique je dis ça, du coup, bah, je pense à des GTO, des. Mais bon, c'est des trucs comme ça. Mais c'est plus vieux, ça, donc ça compte pas. Ça compte pas, c'est pas vrai. Mais voilà, tous ces animés de romance, ben, c'est un personnage principal où tu te dis, bon, il est ordinaire, il est pas sûr de lui au début. T'as toujours ce sentiment de dire, bon, pourquoi les filles s'intéresseraient plus à lui plutôt qu'un beau gosse absolu, même si, contrairement à beaucoup d'animés, lui, il est beau gosse de base. Et Yamato, il est plutôt stylé, tu vois, il est pas sûr de lui, mais en vrai, c'est plutôt un beau gosse. Enfin, c'est un gars
Il est beau, tu vois, les meufs, elles peuvent pas dire barre-toi, gros dégueulasse. Non, ça serait, c'est tellement immonde, imagine, dans la vraie vie. Barre-toi, gros dégueulasse. Déjà. À quel moment tu peux être humain et balancer ça à quelqu'un, tu vois? Barre-toi, gros dégueulasse, tu vois. Bon, évidemment, s'il te crache à la gueule, bon, là, oui, effectivement, t'es en droit de dire ça. Je viens d'y penser, mais bon, là n'est pas le sujet. Mais donc, il est plutôt charmant, finalement, ce petit Yamato. Mais bon, il est, voilà, comme tous les persos de l'époque et même d'aujourd'hui. Il est pas, il est, je vais pas dire qu'il est plat, parce qu'il évolue. Il évolue beaucoup durant l'animé. C'est franchement, il a une très très belle évolution. Une évolution que je trouve d'ailleurs plus logique et plus aboutie que Suzuka et que les autres personnages. Mais pour bien évoluer, ben voilà, des fois il faut partir en étant une merde. Tu vois, avant d'être un beau papillusion, en fait, Chenipan, je dis ça, Chenipan, je trouve dégueulasse aussi le Pokémon. Mais bon, là n'est pas la question. Faut trouver un Pokémon stylé. Je sais pas, parce que les starters, ils sont. Avant de devenir un Brazegali, faut être un mignon poussifeux, tu vois ce que je te dis, tu vois ce que je veux te dire, tu vois. Et ben là voilà, c'est donc un mignon poussifeux, bon, tu vois, tu te dis il a du potentiel, mais bon, il est pas encore chaud. Et voilà, et au fur et à mesure, il va se développer au travers du coup ben, du sport notamment, et même des relations avec les différentes personnes. Il va apprendre à découvrir les relations avec les jeunes demoiselles, surtout, mais même avec ses amis. Avec les jeunes demoiselles et ses amis, genre il peut pas être ami avec des demoiselles, non, je me suis mal exprimé, avec ses, enfin je veux dire avec des relations plus intimes, avec dans le but de devenir le copain d'une demoiselle, ou avec ses amis qu'ils soient féminins ou masculins, voilà, comme ça c'est plus clair, et il évolue beaucoup, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Maintenant, bon, effectivement, je conseillerais pas à tout le monde, pourquoi? Parce que c'est de la romance, c'est de la romance pure et dure. Les fans de sport, il y aura trop de romance pour, à mon avis, que vous soyez contentés par le sport. Par contre, ceux qui sont fans de romance et qui n'aiment pas le sport, vous pouvez totalement regarder cet animé. Pourquoi? Parce que finalement, comment dire? Finalement, le sport, si je trouve ça très intéressant et s'il m'a fait kiffer, on se sert du sport pour faire évoluer le personnage. Mais c'est dans l'optique aussi de faire évoluer les relations avec les différents protagonistes. Donc, c'est pas le sport pour le sport, c'est pas, il n'y aura pas un arc de l'entraînement avant le tournoi avec 6 matchs, non, bah surtout que. Non, je vais rien dire. Mais, j'ai failli spoiler, mais non, je vais rien dire. Donc, bon, le sport, il faut pas avoir peur de ça. Mais bon, il faut aimer la romance, vraiment, il faut aimer la romance si t'aimes pas la romance. Si t'aimes pas un peu aussi le mélodramatique, si. Si, à défaut, parce que bon, on va pas se mentir qu'on a tous maintenant un beau bagage, tu vois, que ce soit dans les séries, avec la télé, tout ça, les animés, tout ça, on a un bon bagage pour tout ce qui est mélodrame. Donc on les voit venir. Mais si ça ne te dérange pas, au moins d'avoir un petit truc en mode mélodramatique, tu sais, que t'es pas en mode oh ben comme par hasard, comme par hasard, tu vois ce connard, tu vois, qui. Je le suis des fois aussi, on l'est tous, les amis, mais ce connard qui, quand il n'aime pas l'animé ou la série en question, il dit tiens, comme par hasard, le scénario, bravo, bravo, alors que c'est bon, t'es le mec qui raconte une histoire, moi forcément, il y a le scénario qui l'aide un peu pour raconter ce que l'auteur, le mangaka, veut dire, tu vois, calme-toi, mais non, mais. Donc bon, si vous aimez vraiment pas les comme par hasard, ou voilà, ne regardez pas, vous allez. Parce que bon, il y a du comme par hasard, il y a du. Putain, le destin, il s'acharne, ou putain, le destin, il fait bien les choses, il y a des trucs comme ça. Donc vraiment, voilà, c'est à vous de voir, mais si vous aimez les romances, moi je trouve, et ça sera ma conclusion, que Suzuka est totalement un animé que l'on peut visionner aujourd'hui en 2021, alors qu'il est sorti en 2005. C'est pas beau ça? C'est pas beau les gars? Donc. Voilà, selon moi, je l'ai dépoussiéré, je le trouve intéressant. Je trouve que ceux qui aiment la romance vont s'y retrouver, ceux qui aiment le drame vont s'y retrouver. Il y a le genre comédie, je trouve la comédie, bon, c'est pas vraiment à mourir de rire, on va pas se mentir, mais c'est quand même intéressant, et franchement, ça vaut le coup d'être testé, voilà les amis. Donc, la conclusion de mon premier nostalgie animé, c'est que vous avez un animé de 2005 que vous n'avez peut-être pas vu, qui pourrait être une bonne idée de visionnage ou de visionnement, je ne sais jamais, si vous avez quelques minutes devant vous, puisque bon, c'est un animé qui fait 26 épisodes de 23 minutes, donc c'est quand même un investissement chronophage, mais c'est pas non plus, finalement, c'est que quelques games de LOL, donc bon, je pense que vous pourrez vous en sortir si vous en avez envie.
Voilà, donc je sais pas quoi vous dire. Peut-être, voilà, racontez-moi dans les coms du coup ce que vous avez pensé de cet animé. Si vous l'aviez vu à l'époque, si vous l'avez vu un peu plus tard, quelle a été votre histoire autour de cet animé slash manga, si vous avez lu le manga, parce que moi je n'ai pas lu le manga, je ne l'ai pas lu. Pour ça que je peux me permettre de faire cette vidéo sans avoir vu la fin une deuxième fois, parce que la fin m'avait convaincu. Alors que je sais, ben, par exemple, pour reprendre l'exemple d'Ichigo 100%, que quand la fin ne me convainc pas d'un animé, je m'énerve à l'époque et je voulais voir le manga. Là, ça m'avait convaincu. Donc c'est que la fin, elle n'est pas si dégueulasse que ça, l'animé. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé encore une fois. Et ceux qui n'avaient pas vu l'animé, ni à l'époque, ni maintenant, est-ce que vous vous sentiriez d'attaque, non pas que vous allez le faire, mais est-ce que ça vous tenterait du coup d'aller voir un animé qui date de 2005? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le concept également de ces émissions un peu plus chill où on discute totalement un peu plus chill, putain, un peu plus enfant, c'est quand cette émission un peu plus enfant vous plaît. Dites-moi dans les coms, j'attends vos retours avec impatience. En attendant, je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao, ciao!